Au printemps, la mise en bouteille bat son plein. C'est le travail de toute une saison qui prend forme dans ces quelques flasques. À la cave du Chavalard, tout le monde s'active. Gilles Caron Federer est l'œnologue responsable. Il est à la tête de l'entreprise familiale avec sa femme Andrea. Tous deux sont aux petits oignons pour faire évoluer l'entreprise et pour valoriser les traditions et le savoir-faire des anciens. De l'entretien des murs en pierre sèche jusqu'à la mise sur pied de nouvelles offres touristiques, Gilles souhaite aussi transmettre ses connaissances. Pendant la balade, on peut expliquer un peu la cave, ouais. Le vignoble, où on a notre entreprise, ça on peut le faire pendant la balade. C'est vraiment ce que je recherche dans ce métier, c'est de m'occuper de ce que j'ai reçu et de le transmettre plus loin. Voici l'histoire de Gilles Caron Federer de la cave du Chavalard. 1888, oui. Fondation de terrain. Le début de la cave du Chavalard. Le début. Gilles est issu d'une famille de vignerons. Vincent, son papa, était proviniste. Son grand-père Marcel avait aussi des vignes, des arbres fruitiers, et il tenait la laiterie de Fuilly. Ça, c'est Gilles. Ah, oh, c'est trop chou. J'avais déjà tout du caviste. Il vendait son raisin à la coopérative Proin. Dans le milieu des années 80, il y avait trop de production, donc les prix du raisin avaient baissé, il ne s'en sortait plus. Je pense que si on n'était que vigneron, sans faire de la vente de bouteilles, je ne pense pas qu'on aurait pu continuer dans ce milieu-là. Oui, c'est un sein, oui. J'ai fait la cave sur un coup de tête. Moi, j'étais à la coopérative Proin, et puis pendant... 3 ans, 84, 85, 86, 87, bosser comme un damné et pas amortir un franc. Il faut qu'on trouve une autre solution, t'as mon crève de faim, ce bordel. J'avais besoin d'1,5 million de francs. Je vais à la banque à 10h30, à 11h, j'étais pas à la maison. J'étais déjà là, j'ai dit oui, et puis que, j'ai dit, mais ça fait, on peut commencer la coffre demain. Plus facile à l'époque maintenant. Je pense que c'était plus facile. Bon, on était quand même une famille connue, et quand même quelque chose derrière. Hein. Mais quand même, hein. Mes parents ont eu des soucis. Oh là 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 là, dit, oui, il va atterrir le pauvre diable. Mon papa et moi. Qu'est-ce qu'il avait en tête, ce petit garçon? C'était tout tracé. C'était reprendre la cave quand j'avais l'âge de reprendre. Pour l'intéresser, j'ai fait choisir la couleur de la cave à l'intérieur. Déjà, à l'école primaire, je savais que j'allais faire vigneron. À 10 ans, je savais exactement où j'allais faire mon apprentissage en Suisse allemande. Tout était assez bien planifié quand même. Je crois que j'ai été formaté depuis que je suis né pour, pour faire ça. Oui, oui. C'était comment votre enfance? Les mercredis après-midi et les samedis, on était à la vigne. Hein. Moi, j'ai 3 sœurs, donc on était avec mes sœurs, on était à la vigne. Et puis, peut-être que mes sœurs ont été dégoûtées, puis moi, ça m'a pas trop gêné, et puis j'ai continué à faire ça. C'était une évidence? C'était assez une évidence, oui. C'est toi qui tirais les tuyaux avec la casquette rouge, là? Non. Oui, oui. Oui, c'est presque une viticulture héroïque, nom de chien. Regarde ceci. Dès qu'il a construit en 1988, il a toujours eu un caviste qui s'occupait de la vinification. Et moi, je suis arrivé en 1998, donc j'ai remplacé le caviste. Et pour moi, ça a été un énorme avantage de faire comme ça, parce que mon papa n'a jamais eu de... Il s'est jamais occupé de faire lui-même le vin. Alors il est arrivé, il m'a dit, tu prends la place du caviste, je te fais confiance. Il faut juste que j'ai pas de réclamation puis que le vin soit bon. J'ai eu carte blanche dès le départ, et ça, c'est vraiment une chose que j'ai pu apprécier dès le début. On peut y aller, on peut y aller. Encore 4 cm. On teste avant. L'idée, c'est que la bouteille passe et qu'ensuite, il appuie vraiment bien dessus. Tu vois. Alors, normalement, là, il doit être bon. C'est une machine qui est assez technique, donc il y a beaucoup de petites finesses. Ouais, ouais. On fait peut-être 5 semaines de mise en bouteille par année. Alors souvent, les automatismes, on les perd un petit peu. Il faut bien être concentré. Et puis en principe, on va aller doucement, puis ça va bien se passer. Juste comme ça. On a fait quelque chose de faux? Non. Il faut penser à tout. Donc il faut commander les bouteilles, il faut commander les étiquettes, il faut commander les bouchons, les cartons aussi. Et puis ensuite, quand tous ces paramètres sont réunis, ben, on peut fixer une date de mise en bouteille.
train de préparer la mise en bouteille. T'as le vin qui passe par la pompe, qui passe par le fil. J'ai une apprentie caviste pour l'instant. Nous, on n'est pas une trop grande cave, donc l'apprenti fait vraiment tout de A à Z. La mise en bouteille aujourd'hui, elle fera peut-être la vente après-midi. On a eu plusieurs fois des apprentis qui ont fini meilleur apprenti caviste du Valais. Donc, ça veut dire qu'ils sont bien formés et puis surtout qu'ils sont très intéressés. Vous avez plus de cours sur la cave en Viti que nous sur la vigne. Ouais. Moi, j'ai fait apprendre encore... Tout ce qui est protection des plantes, il n'y a aucun souci, ça c'est du régal. Tout ce qui est mécanique, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Là, tu peux changer les étiquettes. Ouais. 75 centilitres. Il faut être un petit peu avec. Il faut que l'apprenti ait envie d'apprendre aussi. Et puis, en principe, ça va tout seul. Après, l'apprentissage dure 3 ans, c'est pas pour rien. La première année, bah, tu observes ce qui se passe. La deuxième, tu comprends un peu mieux. Puis la troisième année, bah, tu fais le travail. C'est ça un petit peu qu'on attend de l'apprenti. On va juste régler la hauteur, là. Tu viens derrière, là, tu fais comme avant. Tu desserres le... Le Lapidou est en deuxième année d'apprentissage à la cave du Chavalard. Johan Métraillé a aussi fait son apprentissage ici, en 2015. Gilles l'a ensuite engagé. C'est donc à son tour de transmettre. Aujourd'hui, l'équipe est complétée par Christiane Rossier, qui fait un stage d'observation d'une journée. Ça donne un côté pratique au cours. On entend parler mise en bouteille, problème de bouchon, de hauteur de liquide et autres. Du coup, ça me permet de pouvoir un peu mettre des images, de la pratique sur les mots qu'on nous donne. Mon papa était maître viticulteur, donc lui, il prenait des apprentis viticulteurs. Ensuite, moi, je me suis plutôt spécialisé dans la cave. J'ai fait le brevet, ensuite la maîtrise de caviste. Puis c'est vrai qu'on a toujours essayé de former des jeunes. Ça nous oblige de rester à la page, parce que les apprentis vont au cours, ensuite ils reviennent à la cave, ils reviennent avec des questions, avec des techniques différentes qu'ils ont vues. Et ça, je trouve assez intéressant. Ça me permet de rester à jour avec les nouveautés, avec ces choses... Et c'est pas que l'apprenti qui apprend, mais moi j'apprends aussi de l'apprenti et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, vous, comme valeur? Il faut transmettre ces vignes parce que c'est un patrimoine. On l'a vu hein, dans les vignes, on a des kilomètres de murs à entretenir et ça, ça a une valeur. Et c'est vraiment ce que je recherche dans ce métier, c'est de m'occuper de ce que j'ai reçu et de le transmettre plus loin. La cave du Chavalard a commencé ici. C'est mon grand-père qui a construit ces murs. Il est mort en 1945, donc les murs ont été faits avant. Donc là, alors ici, c'est gamin. Voilà. Et tous ces murs en pierre sèche qu'on voit depuis ici jusqu'en haut, on voit que ça d'ailleurs, ça a tout été maçonné par mon père. Et moi, depuis que je suis sorti de l'école, j'étais avec lui. J'ai calculé un jour, il y a 2,5 km de murs. Entre 2,50 m et 4 m de hauteur. C'est le travail d'une vie. Et tout ça à la main, il n'y a pas de machine. Hein. Tu vois, quand même, celui-là, il l'a foutu aussi. Pour les refaire, puis c'est tout arraché, planté, puis c'est bon, comment c'est foutu tout ça. Je me rends compte qu'il y a eu un travail gigantesque. Hein. C'est vraiment été des jours, des jours, des années et des années de travail. Puis c'est pour ça que j'ai un grand respect, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment entretenir ça. On allait à l'école, puis le mercredi après-midi, le père il faisait les murs, nous on était gamins, on lui donnait un coup de main pour mettre les pierres derrière. C'était un boulot. On était tout gamins, mais on est déjà au poste par là. Le savoir-faire pour la construction et l'entretien des murs en pierre sèche s'est perdu dans la famille Caron. Gilles fait désormais partie d'un syndicat de vignerons, regroupé pour partager les frais et l'entretien de ce patrimoine hors du commun. Chaque année, des maçons spécialisés refont les murs tombés durant l'hiver. Les murs de fuie, donc ce sont des boules de gneiss. Si on va par exemple sur le vignoble de Sion, où c'est plus des ardoises, c'est peut-être déjà plus facile à les empiler les uns sur les autres. Mais la fuie, c'est vraiment des boules, alors il faut déjà visualiser le caillou et puis il faut que le mur tienne. On a pratiquement 3 km de mur. Chaque année, il y a quelques mètres carrés qui s'effondrent. Donc, il faut les refaire. Et puis, si je ne le fais plus, ben, d'ici quelques années, j'ai plus de vignes. De retour à la cave, les mises en bouteille continuent.
Pendant ce temps, l'élevage du vin se fait doucement, régulièrement. Vas-y, on va bâtonner un petit coup. Tu sais pourquoi on fait ça, hein? Pour brasser les lignes. On fait un élevage, ça veut dire que le vin, il est vivant, il est dans le fût avec ses fines lignes. Et puis ces lignes, si on veut, on les remet en suspension chaque 15 jours, après une fois par mois, dans tous les sens, hein? Ces lignes-là, elles nourrissent le vin, elles amènent du gras supplémentaire. Et c'est ça qui fait la subtilité du vin. Et franchement, le travail vaut la peine. Belle barrique, là. Hein? Mais tu vois, celui-là, il va encore rester au minimum encore une année en barrique. OK. Là, on est à peu près à mi-chemin. Il a déjà fait une année. Et on le laisse encore une année. Mais ça va être top, hein? S'ils devaient retenir une chose, ces apprentis, quand ils sortent d'ici, ce serait quoi? La barrique. C'est quand même plus difficile de produire à fuit que, par exemple, sur les plats de Chamozot ou Ardon. Donc, s'ils devraient retenir quelque chose, c'est que tout ce qui rentre en cave a une valeur vraiment... Il y a eu vraiment du travail derrière et puis il faut respecter ce travail-là. On a peut-être les vignobles les plus escarpés du monde, donc il faut qu'on mette en valeur ce qui vient de ces vignes. Tu peux juste noter, là, sur une feuille, mise en bouteille du jour, donc 2100 litres, il y a 2134,75, 2134, et puis 1250. Les pertes de mise, c'est ça, parce qu'on n'arrive pas à mettre en bouteille. Cette année, il faut que ce soit le moins possible. Ça va être difficile de faire pire que le millésime 2021. Et je ne souhaite pas revivre ça dans ma carrière parce que c'est vraiment très pénible. Gilles et Andrea planifient les livraisons. Andrea s'occupe du bureau, des factures, de la comptabilité. Elle est originaire de la vallée du Rhin. C'est là qu'elle et Gilles se sont rencontrés. Là, tu l'as mis depuis 20 ans, fait une fois dans la vallée du Rhin. Comme Gilles et moi, on s'est connus à la fanfare là-bas. Tout le village connaît Gilles, donc c'est sympa, ouais. Souvent, on peut lier la commande avec une visite chez mon papa ou chez mon frère. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de parler en allemand aussi. Pas toujours en français, ça c'est bien. Attends. Vendredi 11h. Vendredi 11h, ça se joue? Ouais, c'est dans l'agenda, c'est bon. C'est plus facile de faire du commerce avec un petit peu trop de stock que pas assez. Salut, Max. Salut, Gilles. Je te mets ça ici dedans, ou même? Oui, dans la cabane. Yes. J'avais rendez-vous ce matin avec un restaurateur qui a déjà de la difficulté maintenant pour assurer assez de bouteilles sur sa carte des vins. Au mois de septembre, octobre prochain, ça va être encore plus difficile parce que les vignerons n'auront plus de stock. Alors, il faut vraiment que le millésime 2022 soit un petit peu plus généreux de manière à rééquilibrer tout ça. Ouais, c'est parfait. Gilles travaille depuis 20 ans avec le château de Villa, un lieu de dégustation qui met en avant son travail et qui lui amène des clients qui découvrent ici ses produits. La outline est ouverte, oui, ça commence à bien fonctionner. Non, ça suit bien. Ouais. Très bien. Mm-hmm. Bah, nickel, alors santé. Cave du Chavalard, voilà. Son gamay qui est ici, vieille vigne 2019. La Bible du château Villa, quoi. Alors, il y a ces blancs qui sont dedans et puis une partie de ces rouges aussi, quoi. Que les clients, qu'on propose aux clients au restaurant et ici à l'Onothèque. Donc on a à peu près 25% du cheptel valaisan, quoi. Le Valais, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tous plus ou moins une vigne ou quelqu'un dans la famille qui a de la vigne. Donc ici en Valais, on travaille pas énormément. On a pas mal de très bons restaurants, des œnothèques. Mais je dirais, je vends plus de vin dans le canton de Saint-Gall, par exemple, que dans le canton du Valais. Parce qu'on y est beaucoup plus souvent avec des foires, des choses comme ça. Ici en Valais, ben, comme le marché est déjà pas mal pris, il faut vraiment plutôt aller en Suisse allemande pour vendre notre production. Ça c'est 2017, das war 2 Jahre im Eichenfass gsi. Und mit dem Rex sich zurückhalten, dass man nicht früh degustiert, weil es schade, wenn man es zu jung trinkt. Ja. Gilles et Andrea ont développé un réseau important sur la Suisse alémanique. Ils s'y sont implantés en participant à des foires. Ils en profitent pour mettre en avant les cépages valaisans, comme la petite Arvine, peu connue outre Sarine. Arvine ist meine Lieblingswein. Das ist typisch vom Fuyer. Das sind meine Reben. Petite Arvine. Und dort kann man degustieren rundum von meinem Rebberg Petite Arvine.
Le public suisse-allemand, il faut déjà parler suisse-allemand avec lui pour arriver à le convaincre. Et puis, c'est un public qui est quand même assez fidèle. Par contre, il faut un petit peu de temps, il faut montrer qu'on est sérieux. Donc, pour l'instant, ben, c'est la vente. Ensuite, il y aura la livraison. Et puis, quand on a fait ça pendant quelques années, et ensuite, ils nous suivent. Et puis, puis, ça marche assez bien. Wow. Viens, on y va, viens. Ici, il y a un poirier. Il y a des kakis. Il y a un kaki, là. Ici, il y a un olivier. On appelle ce lieu le balcon de la pétaruine, parce qu'on est entouré de pétaruines. Souvent, on a des clients qui nous demandent si on peut faire une petite balade dans les vignes. C'est pour ça qu'on voulait avoir une place qui est à nous pour accueillir les clients. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment le contact, ils veulent savoir comment on travaille. Cisailler la vigne, effeuiller, vendanger. Et si on arrive à faire ça, que les clients se rendent compte du travail qu'il y a, pour la vente de vin, c'est idéal. Quoi de mieux de leur montrer où elles poussent et puis déguster dans le vignoble, ça c'est génial. Ouais. Quel beau métier on fait. Tu veux faire du bureau, mais on reste là. Un petit coin de paradis, là. Ce qu'il a reçu de son père, ce qu'il enseigne à ses apprentis, la valeur du travail et du produit, Gilles veut aussi le transmettre à ses clients, avec sa propre signature. C'est ça la pâte des vins de Gilles Caron. C'est des vins qui sont frais, friands et puis qui donnent du plaisir quand on les consomme. Nous voici au terme de ce chapitre des histoires d'Arvin. L'hiver 2022 prend fin, les murs ont belle façon. L'été s'en vient, le travail à la cave arrive au bout, déjà les vignes se réveillent et la nature reprend ses droits. Ça commence à débourrer. Voilà, on voit les premiers bourgeons qui débourrent. Ouais, c'est toujours beau. C'est toujours un moment assez émouvant hein, quand on voit débourrer.